Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle séance de Pilates. Avant de commencer, je vous invite à bien vous installer dans une pièce calme, éventuellement à mettre un petit peu de musique. Mettez votre tenue souple et près du corps, prenez un petit peu d'eau, c'est important de s'hydrater pendant la séance. Chaussettes antidérapantes éventuellement et absolument un tapis épais. J'ai remis en vente ma gamme de tapis de Pilates, Pilates et Coconut. Vous pouvez les retrouver sur mon site internet, vous faites votre choix de couleur et de modèle sur le site et ensuite vous remplissez le petit formulaire de contact et vous me passez votre commande. Allez, on va débuter tout de suite. Allez, donc on va joindre les mains, croiser les doigts et on va étirer. Comme ça, on étire un petit peu le dos en début de séance, on le détend après une grande journée. Allez, on étire, il faut que ça vous fasse du bien. Vous pouvez bâiller si vous en avez envie. Ok, on revient. On roule les épaules vers l'arrière. Posez les mains sur les genoux, on fait rouler la tête devant. On revient, on va allonger le buste vers l'avant. Et on revient encore une fois. Donc regardez vraiment vers le sol, pas devant vous. Donc on ne casse pas la nuque ici, comme ça. On regarde vers le sol. On rentre le ventre toujours, on allonge. Et encore une fois. Ok, parfait. Allez, on va étirer nos deux bras au-dessus de la tête. On se grandit, grandit, grandit. On va pivoter du côté droit. On plie les bras, on les descend, on va poser la main gauche sur le genou droit, la main droite derrière nous, on regarde à droite, on tient la posture, on étire le dos, on rentre le ventre, on s'agrippe aujourd'hui à notre genou, du coup on n'engage pas trop les abdominaux pour l'instant, alors bien sûr on rentre un petit peu le ventre, on n'est pas à fond sur les abdominaux, on étire surtout le dos, on sent la petite torsion dans le dos, on fait de grandes respirations profondes. Et ensuite, on va passer le bras droit au-dessus du genou gauche et on continue à regarder à droite. On rentre légèrement le ventre, on s'agrippe bien au genou, on se tient à lui. Comme ça, pareil, ça évite de trop engager le centre. Pour l'instant, on étire surtout. On sent le petit étirement dans le dos. Essayez de garder le même appui sous chaque fesse. Et on revient. Parfait. Allez, on revient au centre, on détend un petit peu les épaules et évidemment, on va faire la même chose de l'autre côté. Donc, on étire les bras, rotation du buste à gauche, on plie les bras, on les descend, on agrippe le genou gauche avec la main droite, on met la main gauche derrière nous, pas trop loin derrière la main gauche, faut pas que ça vous fasse mal derrière l'omoplate. On se tient droit, grand, on étire, on rentre un petit peu le ventre. Voilà, on doit sentir la petite torsion dans le dos, on se tient au genou. Surtout, on se grandit, on cherche l'auto-grandissement, regardez à gauche. Et ensuite, on va passer le bras gauche au-dessus du genou droit. Il ne faut pas confondre sa gauche et sa droite. Je regarde bien à gauche. J'étire, j'étire, j'étire. Et je reviens. Nickel. Allez, on détend un petit peu. Nos épaules, super. Allez, on va s'asseoir au bout de notre tapis. Donc, jambes légèrement pliées. Il ne faut pas qu'elles soient trop proches de vous. Vous pouvez les avancer un petit peu. Vous gardez assez d'espace derrière pour pouvoir vous allonger. Ensuite, on étire les bras au-dessus de la tête. On les descend. On creuse le ventre, on courbe le dos. On va se rapprocher progressivement du tapis. J'inspire, j'étire, je me grandis. Je descends mes bras, je creuse le ventre, je courbe le dos, je pars vers l'arrière. Épaules basses, on peut commencer à poser le dos progressivement. Ça nous fait comme un petit massage du dos. Allez, doucement. J'expire pour remonter. Je fais ce travail grâce à mon centre. Pas d'élan avec les bras. J'engage mon transverse, j'étire mon dos. Je mets de l'espace entre les vertèbres à chaque fois que j'étire les bras au-dessus de la tête. Mes paumes de main sont face à face pour bien positionner les épaules. Je peux même m'allonger. J'inspire, j'étire les bras au niveau du visage. Je les ramène. Je décolle tête, épaule, dos. Je me grandis, 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 épaule basse. Je creuse le ventre, je courbe le dos. Je pars vers l'arrière. J'inspire. J'expire, je remonte. Dernier. Je vais m'allonger sur le dos. Impeccable.
Allez, je replie mes jambes et j'enchaîne directement. Montée de bassin, je creuse le ventre, je serre les fessiers, je monte. Ce qui nous importe dans ce mouvement, on le fait quasiment à chaque séance, c'est la bascule du bassin. Là, je suis en dos neutre, c'est-à-dire ma courbure normale. Je fais exprès d'écraser mon bas du dos dans le tapis. Je décolle mes fesses, mon bas du dos, le reste du dos. J'inspire en haut, je serre bien les fessiers, j'expire, je déroule. Regardez, je plaque mon bas du dos avant de poser mes fesses. Si vous ne faites pas cette étape-là, ce n'est pas très intéressant de juste monter comme ça. Ce n'est pas ce qui nous intéresse. Nous, ce qu'on veut, c'est faire cette belle petite bascule du bassin bien articulé, bien échauffé à ce niveau-là. Et je déroule encore une fois. Et je repars. Super. Quand je suis en haut, j'ajoute les bras. Grand cercle de bras. Je plaque mes bras. Je déroule mon dos. Encore. Bascule. Je monte. Je serre bien mes fessiers. Cercle. On gaine les bras jusqu'au bout des doigts. Et on descend. Un dernier. J'expire. Je monte. Donc c'est d'abord je monte. Ensuite, cercle de bras. Et en dernier, j'expire, je déroule. Parfait. Allez, on va croiser les mains derrière la tête. Donc, c'est vraiment la base du crâne sous la tête. Et j'expire, j'enroule le buste. Je regarde vraiment entre mes genoux. Et j'inspire, je descends, j'étire. Quand vous montez, regardez si vous voyez votre ventre se creuser. Il faut absolument qu'il soit creusé. Alors, tout le monde me dit, oui, c'est mon gras qui pousse vers le haut. Non. On aspire le nombril. Après, bien sûr, on a le droit d'avoir du gras, on a le droit d'avoir de la peau, tout ce qu'on veut. Mais ça ne nous empêche pas, dans tous les cas, de rentrer le ventre. Donc, on creuse, on creuse, on creuse, on creuse. Et on inspire. On étire. On cherche à mettre de l'espace entre le bassin et les dernières côtes. C'est-à-dire qu'au lieu de s'écraser sur soi-même, comme ça, avec le ventre qui pousse vers le haut, on cherche la longueur, on creuse, et là, on enroule. Et c'est le transverse qui fait le travail. Et j'inspire, je descends. Encore 3. J'inspire, je descends. 2. Et le dernier. Ok, parfait. Allez, on a les bras derrière la tête, toujours. On creuse bien le ventre. À l'expire, on vient placer une jambe en chaise renversée et l'autre. On creuse le ventre à fond et à l'expiration, je viens toucher le sol avec la pointe d'un pied. J'inspire, je remonte. Je tiens mes épaules basses, mon dos droit étiré, ventre rentré. Je garde mon angle sous mon genou, mon angle droit. Donc, vous voyez, le mouvement part de l'articulation de ma hanche. J'expire, je viens toucher. J'inspire, je ramène. Si on sent le dos qui se cambre, c'est pas bon. C'est qu'on n'a pas assez creusé le ventre. Donc, on creuse plus. C'est le ventre, c'est votre transverse qui tient votre dos. Si à chaque fois que vous touchez le sol, alors que vous êtes en train de rentrer le ventre à fond, vous avez le dos qui se cambre ou qui vous fait mal, dans ces cas-là, on ajuste et on ne touche pas le sol. Vous voyez, là, je ne touche pas, je m'arrête, par exemple, avant que mon dos me fasse mal ou qu'il cambre. Mais ça ne nous empêche pas de continuer à engager le transverse. Voilà, on ajuste. Le but, ce n'est pas de se faire mal au dos. Le but, c'est de travailler nos abdominaux tout en protégeant et en musclant le dos. Donc on ne fait pas l'exercice à tout prix, quitte à se faire mal au dos avec le dos qui se cambre à chaque fois. Ça n'a pas de sens. Donc, on engage bien le transverse. Et si besoin, ne touche pas le sol. Adaptez vos mouvements à chaque fois si vous sentez qu'un mouvement vous blesse. Ok, parfait, on continue. Toujours main derrière la tête. On va soulever le buste. Et cette fois-ci, on étire jambe droite. On inspire, on ramène jambe gauche. On inspire, on ramène et on continue à creuser, creuser, creuser. On souffle longtemps, pied pointe. On inspire, on ramène, on souffle. On cherche la longueur dans la jambe. On tient bien la tête avec les mains sans pour autant tirer dessus. Allez, on cherche la longueur dans la jambe, pied pointe. Ok. Ensuite, à chaque fois qu'on tend, on va ajouter une petite rotation du buste. Et on revient au centre. On tend, on tourne. Et on revient. On tend. Petite rotation du buste sans tirer sur les bras. Si c'est trop difficile, à chaque fois, on peut reposer la tête. Soulever. Et tourner. On ne tire pas sur les bras. Donc c'est une variante. On peut poser la tête. Entre, si besoin. Allez, plus que 3.
creusez bien. 2. Et le dernier. Parfait. On reste buste soulevé. Prenez des pauses quand vous en avez besoin. Pied position pilate. J'expire, je tends, je presse. Je sens mes adducteurs travailler. 5. 4. On presse très fort les talons l'un contre l'autre. 3. Pied pointe. 2. Et le dernier. Et relâchez. Allez, genoux, poitrine. On masse le dos. On étire aussi les abdominaux. On étire nos jambes derrière nous, nos bras devant. Enfin, derrière, pardon. Nos jambes devant, nos bras derrière. On va y arriver. Allez, on se grandit. Il faut que ça étire le dos, les abdominaux. Les jambes, les bras. Ok, parfait. Allez, on ramène les bras le long du corps. On recline nos jambes. Et on va tendre la jambe droite. Droite, pied flex. Donc, talon vers le ciel, orteil vers soi. On tire doucement la jambe vers nous. Allez, on respire. On doit sentir le petit étirement à l'arrière de la jambe. Si vous êtes plus à l'aise comme ça, vous pouvez le faire buste soulevé si vous voulez. Mais enroulez bien la tête. On ne regarde pas comme ça avec la tête qui pend. En se faisant mal à la nuque, on essaye de regarder vers nos genoux. Moi, je préfère le faire tête au sol. Donc, pied flex. Hein. Poussez le talon vers le ciel. Les orteils vont vers vous. Main derrière la jambe. Allez, on respire. Super. On plie le genou, on pose le pied. Et tac, on fait la jambe gauche. Jambe tendue, pied flex. Poussez le talon vers le ciel. Orteil vers vous. Allez, on sent que ça étire. Focalisez-vous sur vos sensations. Est-ce que c'est agréable? Est-ce que ça étire bien l'arrière de la jambe? Est-ce que c'est horrible? Voilà, on pense à ce qu'on fait. On est concentré sur ce qui se passe dans notre corps. Grande respiration profonde. Respiration toujours thoracique et latérale. Et on relâche. On plie le genou, on pose le pied. On va tendre la jambe droite, pied pointe. On soulève le buste. On met les mains derrière cette jambe. On étire la jambe gauche, droite devant nous. Le ventre est rentré, on a le buste soulevé. Et grand battement de jambes. Si vous avez mal au cou, à la nuque pendant le mouvement, c'est normal, ça les fait travailler. Par contre, si vous avez vraiment des problèmes de cervicale dans ces cas-là, main derrière la tête, coude ouvert. Et pareil, grand battement. J'inspire et j'expire. Allez, je tire bien ma jambe vers moi. Comme ça, je l'assouplis tout en travaillant mes abdominaux. Le mouvement part de l'articulation de la hanche. Creusez tellement le ventre que vous devez avoir la sensation que le battement part du ventre. Pour les dernières répétitions, on va se mettre en pied flex. On pousse le talon vers l'avant. Orteil vers soi. Et parfait, super. Allez, on relâche. Genoux, poitrine. On masse un petit peu le dos. Et ensuite, on va placer les mains sous les genoux. On va faire une petite impulsion. On va revenir s'asseoir sur le tapis. Alors, on va étirer nos jambes le long du sol. On inspire, on étire bras au-dessus de la tête. Et en soufflant, on se relâche complètement au-dessus de nos jambes. Donc voilà, pas d'effort particulier. On respire. On se laisse tomber vers l'avant. On observe nos sensations. Est-ce que ça détend l'arrière des jambes, les cuisses? Est-ce que ça étire notre dos? Est-ce que ça fait du bien à la nuque? Grande respiration. Et on déroule du bas du dos jusqu'à la tête. Parfait. Allez, on va ouvrir les jambes, talons dans les coins du tapis. On tend nos bras. On creuse le ventre, on allonge le dos. Trois directions. On va imaginer qu'on vient planter la tête dans le tapis. Qu'en même temps, on pousse
le dos vers le plafond et en même temps que nos bras partent devant nous. Donc pas par là, par là, paume de main face à face. Et après on revient comme si on réempilait chaque vertèbre les unes sur les autres, dos bien droit, bien étiré. Donc j'expire, j'y vais, tête la première, comme si je voulais la planter dans le tapis. En même temps, j'étire le dos vers le plafond, j'allonge mes bras devant moi, épaules basses. Et je reviens, dos droit, ventre rentré, je garde les pieds flex si c'est possible, encore. Et je reviens. Et un dernier, hop, j'y vais. Et je reviens, parfait. On va resserrer les jambes, pieds pointes. On va venir fermer les poings devant soi, ici. On creuse le ventre, on étire le dos et à l'expiration, je pars vers l'arrière, ventre rentré, dos rond. J'inspire, j'ouvre grand mes bras. J'expire, j'enroule, tête, épaules, dos vers l'avant, les bras partent tendus derrière moi, paume plafond. Grand cercle de bras pour ramener mes bras devant moi. Je touche mes pieds, mes chevilles, ce que je peux. Je déroule du bas du dos jusqu'à la tête. Je me grandis, j'étire mon dos. Je creuse le ventre, je courbe le dos, je pars vers l'arrière. J'engage bien mon transverse. J'inspire, j'ouvre. J'expire, j'enroule, tête, épaules, dos, bras tendus derrière. Je les ramène, grand cercle de bras. Je déroule du bas du dos jusqu'à la tête. Je me grandis, j'étire. Épaules basses, ventre rentré. Encore plus que deux. Je creuse le ventre, je courbe le dos, on essaye de bien descendre sans avoir les pieds qui se décollent. Je descends, je descends, je descends. J'inspire, j'ouvre. J'expire, j'enroule. Bras tendus derrière moi. J'inspire, je ramène. Grand cercle, je viens toucher loin, loin, loin. Et je déroule du bas du dos jusqu'à la tête. Je me grandis. J'étire mon dos, je creuse le ventre. J'expire, je pars vers l'arrière. J'inspire, j'ouvre. J'expire, j'enroule. Et je ramène. Et je déroule. Parfait, super. Allez, on va enchaîner sur nos roulades. Donc les roulades, ça n'a pas changé. Toujours équilibre fessier. Donc on essaye de ne pas reposer les pieds au retour. On rentre le ventre. On a le dos rond. On roule comme un ballon, comme une statue qui aurait cette forme arrondie. Ne lâche pas notre tête en arrière, donc on rentre le menton. La dernière chose qui touche le sol, ce sont nos omoplates, pas plus. On ne roule pas sur la tête et surtout ne tournez jamais la tête en roulant. Ok, super. Allez, on va joindre les plantes de pied. Je me recule un petit peu. On joint les plantes de pied. On tient les chevilles ou les orteils. On allonge le buste vers l'avant. On allonge, on allonge, on allonge. Et on se relâche complètement au-dessus de nos pieds. Si on penche beaucoup, on peut poser nos avant-bras. Allez, on se laisse tomber vers l'avant. On fait de grandes respirations. Se détend, pareil, on observe ce qui se passe dans notre corps. Est-ce que ça étire mon dos? Est-ce que ça détend ma nuque? Est-ce que ça me fait du bien au niveau des hanches? Toutes les postures comme ça vers l'avant, ça permet de se relaxer. Alors des fois, on ne le sent qu'après coup. Allez, on respire. Très bien, on déroule du bas du dos jusqu'à la tête. Parfait. Allez, on va échauffer un petit peu plus les épaules et les bras. Donc, je m'assois face à vous. Si chez vous, vous n'êtes pas à l'aise assis comme ça, vous pouvez vous asseoir sur les genoux, sur une chaise, comme vous voulez, vous mettre debout même. Allez, on va dire que ça fait déjà 10 sens inverse. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 20. Inverse. 1. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 30. Inverse. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 40. Inverse. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 50. On croise au-dessus, en dessous. On ouvre. On gagne bien le dos. On creuse le ventre. Allez, je croise et j'ouvre. Je croise et j'ouvre. J'étire mon dos, je creuse le ventre. J'essaye de ne pas balancer le buste vers l'avant. Je me stabilise. Ok, super.
Allez, on roule un petit peu nos épaules vers l'arrière. Parfait. On joint les mains. On échauffe un petit peu nos poignets. On serre les poings, on tourne dans un sens, dans l'autre. Ok, nickel. Allez, on va se placer à quatre pattes. Donc, attention, je mets mes poignets sous mes épaules, mes genoux, sous mes hanches. Je vais mettre un appui sur mon avant-bras droit, bras gauche tendu, jambe gauche tendue derrière moi. Je lève ma jambe gauche, pied pointe. Et je suis partie pour des petits battements pour 40. Allez, on engage bien le centre. On ne veut pas avoir le dos qui bouge à chaque fois. Donc, on le gaine. On engage le transverse, le dos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 30. Serrez bien le fessier. 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 40 et 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 50. On a le genou, pardon, qui vient vers le coude par le côté. Vous voyez, pas par le bas, par le côté. Et je réétire derrière moi, pied pointe, pas sur le côté. 1, 2, 3, creusez le ventre, gainez le dos. 4, on serre bien le fessier de la jambe d'appui. 5 et celui de la jambe tendue. 6, et on continue à creuser le ventre. 7, 8, 9, stabilisez le dos. Et 10, et plus que 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, et là, attention, c'est pas fini. 20 micro-pulsations, jambes tendues, pieds pointes pour finir ce côté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Serre bien le fessier. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On relâche. Parfait. Allez, c'est bon. Vous pouvez masser un petit peu. On étire un instant le dos si on en a besoin. On étire, on étire. Et on va se redresser. Donc là, je vais vous tourner un petit peu le dos, mais comme ça, ça vous permettra de voir aussi la position. Donc, je mets mon appui sur mon avant-bras gauche, mon bras droit étendu, ma jambe droite étendue, je me ravance un tout petit peu, hop, je lève et je suis partie pour mes 40 battements. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10, serrez bien le fessier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 30 et 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Je vais ramener mon genou vers mon coude par le côté. J'étire pied pointe derrière moi. 1, 2, stabilisez le dos. 3, 4, pied pointe. 5, creusez le ventre. 6, serrez bien les deux fessiers. 7, 8, stabilisez le buste. 9, et 10, et plus que 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, et 1. Et là, on a droit à nos 20 micro-pulsations pour bien finir. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et voilà, c'est fini. Vous pouvez masser un petit peu. On va réétirer un petit peu le dos. Donc, on presse les mains au sol. On allonge le dos sur le tapis. On étire, essayez de ne pas poser les avant-bras, juste les mains. Ensuite, on va mettre nos mains à l'extérieur du tapis. Donc, par exemple, côté gauche pour commencer. Les deux mains, largeur, épaule. Toujours pareil, comme quand on le fait devant soi. Bras tendus, sans poser les avant-bras. On respire profondément. On ramène les bras devant nous. Et même chose, côté droit. Allez, bras tendus, mains largeur, épaule.
On étire, on respire profondément. On revient au centre. Allez, on va faire quelques vagues. Donc, je bascule mon bassin vers l'avant, je rentre le ventre, je ne m'écroule pas. Je ramène mes fesses sur les talons, j'étire le dos. Encore, je monte. Bascule, je rentre le ventre, épaules basses. Et ici. Encore, petite bascule. Serrez bien les fessiers, creusez le ventre, ne vous écroulez pas. Ok, super. On va finir avec dos du chat. Dos du chien, donc poignet sous les épaules, genoux sous les hanches, dos en neutre. Et j'expire. Dos rond. J'étire, j'étire, j'étire. J'inspire en neutre, j'expire. Je pousse le ventre vers le sol. Épaules basses, ventre rentré, le dos. On doit pouvoir l'étirer dans les deux sens. Ok, si vous avez une tendance à avoir mal ici, vraiment tout en bas du dos, n'hésitez pas à pousser un petit peu les fesses vers l'arrière quand vous faites dos rond. On revient en haut, dos neutre, dos cambré. Et quand on fait dos rond, on peut pousser un petit peu les fesses vers l'arrière. Ok, super. Allez, on revient. On va revenir assis sur le tapis. On joint les mains, on croise les doigts, on va se retirer un petit peu. On respire profondément, on détend bien le dos. On va marcher sur le côté ici, puis de l'autre. Et encore. Et le dernier. Et on revient. Parfait, j'espère que cette séance vous a plu. N'hésitez pas, si c'est le cas, à vous abonner à ma chaîne. Comme toujours, c'est super important. Ça m'encourage à continuer à poster de nouvelles vidéos. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine. Salut !